Alors, je suis Bertrand Giffon, je suis le cofondateur de Bimay Media. Nous sommes une start-up qui travaille sur la question de l'éducation aux médias et à l'information sous le prisme du développement de la curiosité et de l'esprit critique de nos jeunes concitoyens. L'actualité de Bimay Media en ce moment avec EMLS, c'est le concours national d'esprit critique que nous avons lancé sous le haut patronage de l'UNESCO. Donc tous les établissements qui souhaitent participer à ce concours peuvent se rapprocher à la fois de MLS ou directement de Bimay Media pour pouvoir avoir des accès à l'application. C'est un concours qui prend la forme d'un challenge de revue de presse. Donc les élèves sont invités à réaliser une revue de presse sur le thème de l'objectif de développement numéro 4 de l'ONU, qui est une éducation de qualité partout et pour tous, dont nous allons donc avoir une remise des prix le 12 décembre. Donc pour tous ceux qui veulent participer, c'est en ce moment même, du 15 novembre au 29 novembre. Donc tous les établissements sont les bienvenus pour ce concours national d'esprit critique. Alors, les impacts sociétaux de Bimay Media, c'est évidemment d'œuvrer pour la citoyenneté de nos jeunes concitoyens, notamment dans leur pratique de l'information, qui est éminemment un enjeu sociétal, à travers notamment la problématique de la désinformation, des fake news, des théories du complot qui circulent notamment sur les réseaux sociaux. Donc on a vraiment cet engagement. Nous sommes entreprise à mission, hein, au sens de la loi PACTE, qui est un statut de l'économie sociale et solidaire. Et en fait, nous œuvrons à travers nos programmes pédagogiques à renforcer la citoyenneté par le prisme du débat démocratique dans notre pays pour les établissements et leurs élèves, afin vraiment de leur donner toutes les clés de compréhension sur la société, sur le monde qui nous entoure, surtout dans le contexte géopolitique dans lequel nous évoluons.